Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. La troisième réunion du Conseil national du crédit CNC révèle que l'économie togolaise reste résiliente avec des perspectives de croissance aussi encourageantes par rapport à mars 2022. Le diagnostic complet au 31 juin 2022, c'est dans cette édition. Gros plan sur les cultures de rente. Dans ce journal, l'état des lieux au cours de ces dernières années, que retenu de la production du soja, du café et du cacao. Et dossier du jour, lutte contre le phénomène de la vie chère au Togo et ce que propose l'économie sociale et solidaire pour appuyer certains secteurs d'activité génératrices de revenus. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci de votre fidélité. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi 11 octobre 2022, voilà, c'est bien parti. Je le disais tantôt, le Conseil national du crédit s'est tenu jeudi dernier à Lomé. Au centre des échanges, l'examen de l'évolution de la situation économique, monétaire et du système bancaire et financier au 30 juin 2022. Les 10 mesures prises par le chef de l'État pour accompagner les populations face au phénomène de la vie chère, le décret portant organisation et fonctionnement de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo. Ce sont là les sujets débattus au cours de ce Conseil national de crédit présidé par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Retour sur les détails avec Urich Amega. Suivez. Troisième réunion ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil national du crédit. Un constat se dégage. L'économie togolaise demeure résiliente malgré la conjoncture économique mondiale. Le taux de croissance économique devrait se situer à 5,9% pour l'année 2022, après 5,5% enregistré en 2021. Quant à la dette publique, elle reste maîtrisée. Résultat des différentes mesures de politique économique prises par le gouvernement togolais pour soutenir les ménages. Une maîtrise donc de la dette publique qui ressort à 61% donc à fin juin 2022 contre 62% un an plus tôt. Malgré le contexte inflationniste au niveau global, au niveau mondial, les mesures mises en œuvre par le gouvernement ont porté leurs fruits. Donc nous sommes ressortis à 7,5% fin août 2022 contre un taux de 8,2% à fin mars 2022. Donc ce qui indique une certaine décélération et qui montre la pertinence des mesures prises par le gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État pour juguler cette inflation. Le Conseil a exprimé sa gratitude et ses remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République et à l'ensemble du gouvernement. Quant au financement de l'économie et au secteur financier, les progrès sont encourageants. Le Conseil note une progression de crédit aux micro, petites et moyennes entreprises sur les 6 premiers mois de l'année en cours par rapport à la même période en 2021. Le Conseil s'est félicité de l'amélioration du taux de dégradation, c'est-à-dire l'amélioration de la situation financière et prudentielle de ces banques et l'amélioration des systèmes de gestion des risques, avec le taux de dégradation du portefeuille qui est ressorti à 10% contre 16% un an plus tôt. Donc ce qui indique quand même qu'il y a une saine gestion de ces banques et le Conseil les a encouragés à poursuivre les efforts d'assainissement de leur portefeuille et des situations, de leur situation financière de sorte à être disponible et avoir les moyens pour accompagner le développement économique du pays et surtout les politiques économiques mises en œuvre par le gouvernement. Aussi, deux produits qui ont été mis en œuvre par les banques et dont l'évolution a été favorable également, notamment c'est le crédit bail et la facturage qui ont progressé. L'amélioration de la qualité des services financiers à travers le renforcement des initiatives, une préoccupation du gouvernement, également à l'ordre du jour. Elle fait place à la création de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo, dont le décret a été adopté en Conseil des ministres. Son rôle, favoriser davantage l'inclusion financière.
Et puis Togo Hub Financier Sous-Régional, c'est un magazine américain qui l'affirme. Parlant de l'environnement financier et bancaire, le magazine économique américain Forbes Afrique a salué le 2 octobre dernier les efforts des autorités togolaises de faire de Lomé un centre d'affaires par excellence du premier plan de la sous-région ouest-africaine. Selon le magazine Forbes Afrique, Lomé est connu pour être une place financière avec une importante plateforme bancaire comprenant une vingtaine d'institutions financières de droit national et international. La capitale togolaise est le foyer du rayonnement des banques à vocation sous-régionale et continentale que sont la BOAD, la BIDC, la Banque panafricaine Ecobank Transnational Corporated ETI et la filiale ouest-africaine du Fonds de garantie AGF. Ce statut de hub financier est aussi marqué par l'implantation de plusieurs institutions financières, notamment le groupe Aura Bank, la Banque Atlantique, la Société Générale, la BESIC, la BOA, Coris Bank, NCA Bank, Sunu Bank et African Lease Togo ALT, AIB Bank, UTB et la BIA. Rappelons que cette propension bancaire est renforcée par l'opérationnalisation de l'agence de promotion des investissements de la zone franche API-ZDF, la politique de digitalisation du pays et la promotion de l'inclusion financière. Toujours et dans la même optique, le gouvernement lutte déjà contre la vie chère pour accompagner les populations face à la vie chère. Mais l'OTR revient sur des précisions pour mettre fin plutôt aux confusions et mauvaises interprétations des dispositions gouvernementales. Si certaines mesures fiscales ont été élevées, d'autres en revanche ont été maintenues. Dans la loi de finances, exercice 2022. Retour sur les détails avec Marie-Reine Abeta et Marie-Ange Bida. Suivez les détails. L'Office togolais des recettes OTR, par une note circulaire, a apporté à la fin du mois dernier des précisions sur les mesures fiscales précises en faveur du secteur privé qui restent encore applicables dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La poursuite de cette facilité fiscale décidée par le chef de l'État, Fornia Singbe, le 16 septembre dernier, s'inscrit parmi les 10 nouvelles mesures prises contre la vie chère. D'après l'administration fiscale, il s'agit essentiellement de l'exonération des droits et taxes aux cordons douaniers sur les matériels agricoles et ceux entrant dans la lutte contre le COVID-19, ainsi que la réduction d'impôts, taxes et abattements. Cet office togolais qui est chargé de la mobilisation des recettes douanières et fiscales précise également le régime fiscal dérogatoire en faveur des entreprises en difficulté, la déductibilité de la totalité des dons faits en faveur du Fonds national de la solidarité et de relance économique et enfin les mesures spéciales contre la vie chère. Aussi, la suspension de la TVM sur les véhicules à usage commercial de certains produits alimentaires de la TVA. D'après l'OTR, certaines mesures fiscales ont été levées à la suite de l'amélioration des conditions sanitaires et la reprise des activités économiques en fin d'année 2021. D'autres, en revanche, ont été maintenues dans la loi de finances exercice 2022. Ainsi, selon l'institution dirigée par Philippe Tchodjie, c'est donc l'application de ces mesures fiscales 2022 et des amendements intervenus dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales LPF qui doit être poursuivi. À présent, pour poursuivre cette édition, le soja sur une tendance haussière en matière de production. 25 000 tonnes en 2021. Le Togo peut se targuer d'être le premier exportateur mondial du soja bio vers l'Union européenne. 90% de sa production est destinée à l'exportation et les agriculteurs s'y mettent d'année en année. Le point avec Sandra Aziabé. Le soja, une filière bien grasse pour les producteurs togolais. Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, la production au cours de la campagne agricole 2016-2017 a été de 39 373 tonnes pour une superficie exploitée de 60 077 hectares. 66 772 hectares ont été emblavés en 2018-2019, donnant une récolte de 44 745 tonnes. Puis, 46
6 747 tonnes ont été produites au cours de la campagne 2019-2020 sur une superficie de 69 710 hectares. La production du soja est portée par le ministère de l'Agriculture à travers le projet d'appui au secteur agricole POSA et la coopération allemande par le biais de la GIZ. Le Togo entend continuer à tirer parti de la production et de la commercialisation de ce produit agricole de plus en plus prisé sur les marchés internationaux grâce à l'agro-industrie. La progression constante des prix de 500 euros la tonne en 2020 à plus de 900 euros la tonne en 2022 est une aubaine pour les différents acteurs. Pour ce faire, il est principalement question d'accroître les volumes de production. L'ambition du gouvernement togolais et de l'ensemble de la filière est de porter rapidement la production annuelle à 500 000 tonnes. Les objectifs de développement de la filière concernent aussi la valorisation de la production sur place. Dans ce sens, la construction d'unités de transformation de soja a été récemment achevée sur les sites de la plateforme industrielle d'Adetikopé Pia. Pour un coût total de 165 milliards de francs CFA, des unités qui pourront transformer jusqu'à 240 000 tonnes de soja togolais chaque année en produits finis, huile de soja, gâteau déshuilé, lécithine, farine de soja, etc. Le secteur continue de faire l'objet de soutien de la part de l'exécutif togolais et de ses partenaires, appui technique et financier. Une des dernières actions en date, le don de 5,39 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD, destiné à soutenir 25 500 producteurs agricoles au Togo, dont 40% de femmes. Un financement qui va appuyer le développement des productions agricoles telles que le soja, le maïs, le haricot, etc. Quand vous venez de le suivre, bientôt une grande partie sera transformée ici au Togo sur la plateforme de Adetikopé. Autre culture de rente, le café et le cacao. Deuxième et troisième d'exportation, le café et le cacao, vient respectivement après le coton, avec une contribution de 1,4% à la formation de la richesse nationale et 5,5% au secteur agricole. Ces deux filières constituent la principale source de revenus de plus de 40 000 familles. Gros plan sur ces deux filières avec Eli Agba Nyandao. Suivez. Après le coton, le café et le cacao sont au Togo les deuxième et troisième cultures d'exportation. Les deux cultures contribuent à 1,4% à la formation de la richesse nationale et 5,5% au secteur agricole. Les filières café et cacao sont les principales sources de revenus de plus de 40 000 familles. Selon le dernier recensement de la Direction des statistiques agricoles, de l'information et de la documentation publiée en 2017, le café et le cacao sont produits par plus de 31 000 exploitants agricoles. Le café est exploité sur une superficie de 38 058 hectares et le cacao sur 20 183 hectares. Des soutiens multiformes ont été déployés pour accompagner ces filières, notamment l'entretien et la fertilisation des plantations de caféiers. Des soutiens multiformes ont été déployés pour accompagner des filières, notamment l'entretien et la fertilisation des plantations de caféiers, l'appui à la régénération des vieilles caféières par le récapage, l'appui à la protection phytosanitaire des plantations de cacaoyers avec des insecticides et des fongicides. Parmi ces appuis, l'installation de nouvelles plantations de caféiers et de cacaoyers qui ont été mises à la disposition des planteurs, des actions qui vont permettre d'augmenter les rendements à chaque campagne. Ainsi, la production du café qui était de 22 006 tonnes en 2020 est passée à 23 106 tonnes en 2021 et le cacao de 15 030 tonnes en 2020 à 15 782 tonnes en 2021. Une augmentation qui a permis d'améliorer les revenus des travailleurs et leur niveau de vie. Pour propulser la filière café et cacao et améliorer le train de vie des producteurs, de nombreuses actions sont en cours de réalisation. Des actions qui sont surtout focalisés sur la recherche. Il s'agit de la sélection de nouveaux matériels végétaux tolérants aux bioagresseurs et à la sécheresse, des tests de nouveaux schémas culturaux pour le café et le cacao, l'identification et le test d'efficacité de biopesticides botaniques à base de
de plantes locales pour le contrôle des myrides de cacaoyers. Le gouvernement compte toujours apporter son appui à ces filières. Pour ce faire, il a prévu le développement de l'agroforesterie, cacao, café, mise en place de nouveaux mécanismes de financement innovants, plus adaptés aux besoins spécifiques des acteurs de la filière café-cacao et un plus grand accès au crédit agricole. Et par là justement du café, précisons que le Togo assurera la présidence de l'Organisation mondiale du café à partir de vendredi à Bogota en Colombie à l'occasion de la 134e session du Conseil. L'OIC est la principale organisation intergouvernementale qui traite des questions relatives au café. Elle rassemble des pays exportateurs et des pays importateurs. Restons toujours avec les acteurs des filières café-cacao pour vous donner les prix indicatifs pour la période du 1er au 15 octobre 2022. Les prix sont fixés comme suit. Café Saint-Robusta, 945 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 930 francs le kilo. Ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de novembre 2022 pour le café et de décembre 2022 pour le cacao. Restons toujours dans le secteur agricole avec ce tour dans les marchés de référence pour vous présenter les prix indicatifs de certaines céréales. Et nous retrouvons pour cela Eli Agba Nyandao pour les précisions. Suivez. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le prix du bol du nouveau maïs est à 550 francs et l'ancien est à 700 francs. Dans les plateaux, le nouveau maïs est entre 400 et 450 francs et l'ancien entre 550 et 600 francs. Le nouveau maïs dans la région centrale varie entre 400 et 450 francs et l'ancien varie entre 450 et 600 francs. À Kara, le bol du nouveau maïs est entre 400 et 600 francs et l'ancien varie entre 600 et 700 francs et dans les savanes, le nouveau maïs est à 500 francs et l'ancien varie entre 600 et 750 francs. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la maritime, il est à 900 francs, entre 750 et 800 dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du sorgho varie entre 850 et 900 francs. À Kara, il est entre 900 et 950 francs et dans les savanes, entre 600 et 1100 francs. Poursuivons ce tour de horizon avec le prix du bol du haricot. Dans la maritime, le bol du haricot varie entre 2000 et 2100 francs. Il est entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du haricot est à 2000 francs. À Kara, il est entre 2000 et 2300 francs. Et dans les savanes, le bol du haricot varie entre 1400 et 2250 francs. Dans la région maritime, le bol du mil est entre 1200 et 1300 francs. Entre 1100 francs et 1200 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 1300 francs, entre 1000 francs et 1200 francs à Kara. Et dans la région des savanes, le bol du mil est entre 1100 francs et 1300 francs. Finissons avec le gari. Le bol du gari est à 1000 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 700 et 750 francs, entre 800 et 900 francs dans la centrale. À Kara, le bol du gari est entre 800 et 900 francs. Et dans la région des savanes, le bol du gari est entre 800 et 1200 francs. C'était là le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence sur l'ensemble du territoire. Merci Eli Agba Nyandao pour toutes ces précisions. Dossier du jour, c'est le phénomène de la vie chère. Comment l'économie sociale et solidaire compte-t-elle accompagner les femmes ou les artisans dans leurs activités génératrices de revenus AGR? L'une des réponses innovantes, c'est le projet Ravraco, le financement des activités de forte potentialité victimes des ravages du Covid-19. Lauréat du dernier forum de l'économie sociale et solidaire FECOSOL, organisé en mars 2022. Thème vie chère au Togo, quelle solution? C'est le dossier du jour, suivez plutôt et appréciez. De la crise sanitaire à une crise économique ou financière, la pandémie du Covid-19, quoi qu'on dise, a laissé des taches indélébiles sur le développement économique mondial. Dans les pays sous-développés,
le pouvoir d'achat des populations est très affecté. Et seules de nouvelles orientations à travers de nouveaux paradigmes peuvent redonner espoir. Et c'est ça justement dans cette logique que s'inscrit le projet RAVRACO, le financement des activités de forte potentialité, victimes du ravage du Covid-19. Projet lauréat du dernier forum de l'économie sociale et solidaire organisé en mars dernier à Lomé. Une solution innovante contre la vie chère. COPEC ISEC, à travers son projet RAVRACO, est une première au Togo qui a été soumis, ce projet de RAVRACO a été soumis au premier forum de l'économie sociale et solidaire. Et ce projet a été retenu par les experts qui ont trouvé ça pertinent qu'une institution de microfinance soit intéressée à la question de l'économie sociale et solidaire, qui est prêt à accompagner les femmes avec des crédits qui sont à des taux exceptionnels. Donc ce matin, nous sommes venus constater que notre accompagnement et notre implication dans ce projet RAVRACO a abouti au déblocage de 2 370 000 pour 9 coopératives de femmes du marché de Bossimé. Et dans ces 9 coopératives, chaque femme aura accès à au moins un montant de 45 000 francs CFA qu'elle est censée rembourser avec un taux exceptionnel de 5%. En tout cas, quand on entend déjà le taux de 5% et qu'on connaît le marché dans lequel nous évoluons, le taux sur le marché au niveau des microfinances, nous ne pouvons que confirmer que cette démarche cadre avec les principes de l'économie sociale et solidaire. Ce projet multisectoriel purement socio-économique comporte 5 sous-projets, notamment l'appui technique et financier des activités génératrices de revenus AGR. Première cible, les femmes revendeuses du marché de Bossimé à travers des microcrédits avec des taux d'intérêt défiant toute concurrence. L'importance de ce projet se trouve dans sa capacité d'organiser les artisans de chaque métier en société corporative à leur offrant des appuis techniques et financiers adéquats. Nous voulons intervenir dans ce domaine, accompagner le gouvernement qui a déjà fait sortir les mesures pour pouvoir alléger la vie chère au pays. Donc dans ce cas, nous avons prévu accorder des microcrédits aux bonnes formes de Lomé au taux de 5% pour pouvoir les permettre à rentabiliser les activités dans lesquelles elles sont lancées. Après que nous avons organisé en société coopérative, donc on a organisé les femmes de Bossimé en société coopérative. Aujourd'hui, on a pu organiser 9 sociétés coopératives à Bossimé. Ces 9 sociétés coopératives ont bénéficié un peu de crédit, ou bien des microcrédits. Et le total fait à 2 300 000 francs CFA. Comme le veulent les premières autorités du pays, la COPISEC entend accompagner le gouvernement à travers la réussite de ses membres dans l'inclusion financière, très 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 chère au chef de l'État. Précisons que les autres composantes de ce projet multisectoriel sont appui technique et financier des femmes du grand marché de Lomé, appui technique et financier des artisans du grand marché de Lomé également, et l'appui technique et financier des producteurs du maïs et du soja dans la préfecture du Haro. Enfin, l'appui technique et financier de la production des cailles et les œufs de la ferme Réobot spécialisée en élevage de volailles à Vaugan. Le projet est piloté par la COP ISEC. Quelques informations venant des États-Unis. La fin au nom de...
la fin au menu des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'est la première fois que les responsables de la politique financière mondiale se réunissent à Washington depuis la pandémie et ce jusqu'au 16 octobre prochain. L'un des thèmes centraux est la maîtrise de la flambée des prix des denrées alimentaires. Les détails dans nos prochaines éditions. Eh bien, madame, monsieur, c'est avec cette brève que nous refermons l'édition de ce soir. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Bon, c'est de nos programmes. Au revoir. Et à la prochaine.